cette notion de biais cognitif et son inscription dans un champ d'action politique au sens très large du mot, par exemple le champ économique, le champ social, le champ politique dans un sens plus restreint, tout ça est, vous l'avez rappelé très justement, est très récent. C'est important de rappeler que une constellation va se mettre en place avec l'émergence de nouvelles sciences ou de nouvelles pseudo-sciences. Il faudra des heures et beaucoup de temps pour trancher toutes ces questions, mais des sciences nouvelles émergent, des sciences comportementales, qui sont des sciences à la fois de l'ingénierie sociale et qui s'appuient sur des résultats et des études qui viennent d'un autre champ, qui est le champ des neurosciences. Donc on a la rencontre entre le champ des neurosciences, qui sont des sciences nouvelles en pleine expansion, le champ de l'ingénierie sociale et des sciences de la gestion, et notamment de la gestion gérée, en anglais ça veut dire le manager, enfin ça se dit to manage, hein, donc les sciences de la gestion des comportements humains, notamment au travail, mais aussi dans toute la société. Nous avons ce deuxième champ. S'agit-il véritablement de science? C'est quand même une question. Les neurosciences sont très vraisemblablement des sciences très rigoureuses, très neuves, et elles rencontrent aussi d'autres sciences qui sont par exemple les sciences économiques. Donc sciences économiques, sciences de la gestion, sciences de la conduite des comportements humains, sciences comportementales, la psychologie aussi et les neurosciences. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble de disciplines qui viennent s'articuler avec le domaine de la décision, le domaine réservé à ceux qui sont décisionnaires dans un champ collectif, qui sont considérés comme, pour parler en anglais, parce que la langue d'origine de tout ce domaine émergent, c'est l'anglais, qui sont considérés comme ayant du leadership, qui sont considérés comme des leaders, c'est-à-dire des dirigeants, soit dirigeants d'un pays, soit dirigeants d'une composante quelconque. Donc on a un nouveau complexe qui émerge, qui relève à la fois du champ de la décision et du champ des sciences, et ça mérite d'être étudié. Alors effectivement, il faudra que je m'explique au fur et à mesure sur cette notion d'idéologie, on y viendra peut-être un peu plus tard.